Alors, Oui. Bon, voilà, la fois dernière. je pense que vous n'êtes pas peur, parce que ce que je veux dire ici, tout le problème d'Alpha Condé et son clan aujourd'hui, si tu veux avoir de sérieux problèmes avec eux, soit il faut être peu, ou tu soutiens un peu, ou en tout cas, tu es très proche d'un peu. C'est ça leur problème aujourd'hui. Tandis que moi, là, l'avocat international du président Senghor Alain Diallo, je suis fier de soutenir un homme qui est de l'ethnie Peul, d'abord qui est guinéen, qui est de l'ethnie Peul, mais qui se bat pour toute la Guinée, et je suis fier de ça. Je ne suis pas derrière Senghor Alain Diallo parce qu'il est Peul ou même parce qu'il est qui, c'est parce qu'il est compétent, c'est parce qu'il connaît la Guinée, c'est parce qu'il s'est battu pour la Guinée et il continue de se battre pour cette même Guinée. Donc, que la lutte continue. Merci. D'accord. Je ne sais pas si c'est... moi, je voulais parler d'un peu de la Haute-Guinée. Un peu. D'accord, Bon, parce que oui, là-bas, ce n'est pas seulement là-bas. Hein. Il y a les zones naturelles, mais il y a les zones aussi administratives. Donc, c'est un peu... Quand on prend la Haute-Guinée, par exemple, la région de... Il y a comme deux régions. Il y a une grande région naturelle qu'on connaît. Après, il y a deux petites régions administratives. On a la région de Kankan. Il y a Kankan, Sigiri, Mandiana, Kairouané et Kouroussa dans... C'est comme si c'était Kankan leur capitale. Et l'autre, la deuxième zone, administrative aussi, c'est la région de Farana. Il y a Farana, bien entendu, Daboula, qui sont dans le même truc. Tandis que normalement, Kissidougou, c'est la forêt. Donc, si on prend par exemple, on va prendre la région de Farana, voilà. La région de Farana, là, le RCG a eu 71,74%. Ça, c'est le RCG. Lui, RCG a eu 15,67%. Donc, ce que moi, je remarque dans ces zones, malgré les fiefs, leurs propres fiefs, ils ont des fiefs quand même assez historiques et avec toute la pression qu'il y a, ils ont quand même plus de 10%. Ils sont dans 20. Voilà. Moi, je pense que c'est assez correct. Quand je prends le concept que tous les partis politiques, tant qu'ils sont en Guinée, ont des bases ethniques, ça c'est clair. Mais je pense que l'UFDG est sorti de ce cadre. Ils arrivent à s'imposer dans les autres régions. Voilà, ils arrivent à s'imposer dans les endroits qui ne sont pas bien. Quand on prend, par exemple, après, on a 5 ans en Sibérie, tout en bas, quelque part ici, pas bien. Ou alors on prend Mandiana. Voilà, quand on prend Mandiana, on a le RPG à 84,24% et l'UFDG à quand même 10%. Vous voyez? Donc, moi, je pense que ça, c'est des zones avec tout ce qu'il y a eu comme tension. Parce que quand c'était chaud à un moment donné, je ne sais pas le truc qu'il a dit, que si Oui, la celui-ci. sœur. Oui? La sœur, mais il faut rappeler que ce fichier était un fichier foutu, hein, un fichier Oui, complètement abîmé. rempli de beaucoup de mineurs. En plus de ça, à Cancan, on a vu les vidéos, on a vu les vidéos où ils recensaient, ils enrôlaient les enfants de 5 à 7 ans, à 10, à 12 ans comme ça, pour dire de se faire enrôler pour aller voter pour Alpha Condé. On a vu ça à Cancan, en tout cas, en Haute-Guinée, on a vu. Mais malgré ça, ce n'est pas des vrais votes. Mais malgré ça, le point que moi je veux sortir, c'est quand même l'UFDG a quand même réussi à se frayer un chemin. Regardez Kissidougou, par exemple. L'UFDG a réussi à avoir 22,51% et eux, le RPG a eu 69,73%. J'ai déjà dit Kairouané, dit Kankan. Bon, Kankan, l'UFDG a eu 9,20%, le RPG a eu 83%. Ben, il n'y a qu'un seul drapeau là-bas, bien entendu. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Regardez Sigiri, par exemple. Le RPG a eu 74,14%. Ça, c'est Sigiri quand même. L'UFDG a pu avoir 21,35%. Moi, je pense que donc c'est un parti. Ça fait peur. Ça fait énormément peur. Donc, quand on dit que La sœur, l'administration. je peux vous aider là-bas un peu, s'il vous plaît. Allez. L'UFDG fait peur, franchement. Donc, l'UFDG fait L'UFDG a fait que le Alpha Condé s'est déplacé.
pour venir, pour sortir de son palais. Parce qu'au départ, il avait décidé, c'était au palais Sekou-Bouria, qu'il allait battre campagne en visioconférence, en nommant sa troupe, ses ministres, ses gouverneurs, ses directeurs généraux, pour leur dire que allez-y battre campagne, pour après vous allez m'envoyer les résultats. Il a vu que ces directeurs-là ne pouvaient pas s'arrêter devant l'IFDG. Tellement l'IFDG est très bien organisé. À quelqu'un, avant, parce que nous continuons à faire des investigations, avant j'avais dit, j'avais alerté la communauté Peul et certains militants de l'IFDG qui vivaient à Cancan pour leur dire de quitter la Haute Guinée, parce que je savais ce qui se préparait contre eux là-bas. Quand j'ai fait la vidéo, il y a les perroquets d'RPZ Arc-en-Ciel qui m'ont traité tous les noms d'oiseaux pour dire je suis je ne sais quoi quoi. Mais finalement, on a vu, lors des élections, on a vu les magasins qui ont été saccagés, pillés. On a vu les maisons incendiées, les maisons des Peuls, les maisons des militants de l'IFDG, les motos volées. On a vu tout ça. Et jusqu'à ce que le président a été interdit de rentrer dans la ville de Cancan. Parce que je savais, parce que tout ce que nous sommes en train de dire ici comme ça, c'est pourquoi ça les dérange la sœur. Vous êtes là-bas en France, vous êtes mille fois plus renseignés que les gens qui sont installés en Guinée-Conakry. Oh, oui. Donc, nous, on les alerte, on les donne des infos. Maintenant, le gouvernement ne va pas aimer. Si vous voyez les perroquets, je les appelle comme ça, les perroquets du RPZ Arc-en-Ciel, les communicants du RPZ Arc-en-Ciel, si vous les voyez, ils vont venir vous insulter ici, c'est parce que il y a Malick Sangon qui les donne de l'argent pour nous insulter, il y a Badi Haribo qui les donne de l'argent, il y a Mohamed Diané qui les donne de l'argent, il y a Amadou Damaro qui les donne de l'argent pour nous insulter, pour dire, ah, vous ne monopolisez pas la communication à Guinée sur les réseaux sociaux. Vous laissez les communicants de l'IFDG s'emparer de tout. Parce que pour eux, toute personne qui s'oppose au régime dictatorial d'Alpha Condé est de l'IFDG. Pour eux, le FNDC, c'est l'IFDG. En tout cas, même vous êtes militante de l'IFDG. Oui. Parce que vous vous opposez tous les problèmes aujourd'hui, c'est Serouda Lendjalo. Tous les problèmes, c'est que c'est Serouda Lendjalo qui les empêche de dormir. Oui, parce que c'est bon. Oui, la première fois. Oui, la sœur, pour la première fois, l'IFDG, on a vu le drapeau de l'IFDG flotter partout à travers la ville de Kankan-Nabaya. C'est que la ligne qu'Alpha Condé et le gouvernement voyaient la manière dont l'IFDG venait s'imposer à Kankan. Ils ont dit non, ça ne pouvait pas aller. Sa première dame contractuelle est venue à Kankan pour dire d'autres drapeaux ne doivent pas flotter à Kankan si ce n'est pas celui du RPZ Arc-en-Ciel. Que c'est les Malinké seulement qui doivent avoir une voix haute à Kankan. On a vu ça, on l'a suivi. Mais ça les empêchait. Parce que je parle avec le jeune Zala Omar, je parle avec Picasso, je parle avec le responsable du mouvement. Donc, je savais ce qui se préparait. Mais je leur disais d'être très, très prudent parce que je savais que le gouvernement allait tout faire pour les empêcher. Le gouvernement allait tout faire pour les empêcher. Oui. Et pouvoir même pour les tuer ou les arrêter. C'est pourquoi les sièges de l'IFDG de Cancan, ces sièges ont été attaqués. Le FEDRA même a été attaqué. Mais malgré ça, nous sommes sortis victorieux pour toute la Guinée. Donc, c'est pour dire aux militants de l'IFDG. Il faut vraiment être fier de toi si tu es militant de l'IFDG. Et nous remercions, au nom du président Serouda Lendjalo, nous remercions toutes les personnes qui se battent aujourd'hui pour l'instauration de l'état de droit dans notre pays, en Guinée-Conakry. Comme vous, madame Marie Sissoko, vous vous battez, vous êtes neutre. Mais moi, je ferai tout pour vous ramener à l'IFDG. Parce que l'IFDG, c'est la voie des sans. Vous savez, ce que moi je dis aux gens, c'est ce sont les Guinéens qui sont en train de compliquer cette histoire-là. On a déjà quelqu'un qui a gagné, on a quelqu'un qui tient tête à Alpha. C'est la seule personne qui lui tient tête. Donc moi je pense que si tu ne veux pas de Alpha, tu es obligé de te rallier à l'instant que à Dalen. Tu n'as pas de choix. Maintenant, si tu te dis tu ne veux pas ni de l'un ni de l'autre, donne de la quelqu'un parmi eux, tant que tu ne le veuilles. Donc, il y a un choix à faire.
Quoi qu'il en soit, il y en a un qui est là, qu'on a vu pendant 10 ans, qui ne tient que des fausses promesses, son âge, son état de santé. Et quand on voit ce qui se passe en 2010, avec toutes les preuves qu'il y a, c'est-à-dire, c'est comme si on changeait le destin de tout un pays. Une fois, deux fois, trois fois, c'est-à-dire on décale tout, sans compter le côté religieux, le côté spirituel, c'est une catastrophe. Parce que moi, c'est-à-dire, j'ai du mal à comprendre ces histoires d'élections. Excusez-moi. Allô? Allô? Ouais, okay, il n'est pas. Allô? Allô, oui. Moussa, là-bas. Voilà. Donc, moi, je vais faire une petite. Ou bien, vas-y. Non, comme vous étiez là, c'était même au top là. Bon, là, il est parti. Au top, bon, là, il est déchargé là. Téléphone déchargé. Donc, le côté du courrier là, moi je vais dire deux minutes là-dessus, je n'ai pas lu ou quoi que ce soit, je vais tout simplement dire aux militants de l'UFDG et d'autres personnes qui ne sont pas de l'UFDG, parce qu'il n'y a pas que les militants de l'UFDG qui ont voté, hein. Il y a des gens qui ont voté contre Alpha aussi, ils ont pas, il y a certains qui ont voté parce qu'ils ne voulaient pas, c'est pas parce qu'ils voulaient de l'UFDG, c'était un vote sanction aussi. Donc, je te dis, sur les prisonniers, ils ont écrit ci, ils ont écrit ça. Il faut savoir, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est pas vrai. Et quand tu es en prison, est-ce que tu as toute ta faculté de faire les choses comme il faut? Un, dans quelles circonstances les gens écrivent, dans quelles circonstances les gens parlent? Il faut voir tous ces paramètres, sans même voir ce qui est écrit. Il faut déjà penser à tout cela et se dire que ceux qui sont en prison là, il fallait s'y attendre. Quand on est dans une dans certains combats, on s'attend à la prison, on s'attend à la mort, on s'attend. Moi, j'habite une petite ville ici. Un jour, je vais marcher, je serai à pied. Il y a des gens qui n'aiment pas les femmes qui sont voilées. Ils vont se jeter sur moi, peut-être qu'ils vont me frapper. Les vidéos que je fais là, ici, on me dit que c'est de l'islam politique, c'est interdit. Ils me surveillent. Un jour, je vais dire un mot qui n'est pas normal. On va m'arrêter. La Guinée, n'en parlons même pas. Donc, ce sont des choses qui vont arriver. Ceux qui sont en prison, eux, au moins, ils sont vivants. Mais il y a des gens qui sont morts. Excusez-moi, ça va peut-être faire mal à leur famille ou à d'autres personnes, mais ils ne sont pas mieux que ceux qui sont morts. Hein. Non, eux aussi, ils avaient une vie, ils avaient un avenir. Ceux-là sont morts pour la même cause. Eux sont encore là, ils ont la chance d'être là. Il faut qu'ils tiennent bon. Ça fait très, très mal quand tu te sens enfermé en prison, même confinement, c'est une prison. Donc, quand tu es en prison, ça fait énormément mal. C'est très, très choquant. Mais c'est pendant les moments difficiles de ta vie qu'il faut faire appel à ton Créateur. Parce que c'est lui seul. Tout ce qu'on fait là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui connaît la vérité. C'est le seul. Donc, même si tu ne pries pas, tu n'as pas. Parce qu'il paraît qu'en prison, quelquefois, on interdit aux gens de prier. Mais ta foi, elle est là. Ta foi est connectée à ton Créateur, à ton Seigneur. C'est très important. Et quand, normalement, on est dans un grand tournant là. C'est un grand tournant pour la Guinée. C'est ce que les Guinéens ne comprennent pas. Ça, ce n'est pas une question de Dalai et de Alpha. Je le dis très régulièrement. C'est-à-dire, on a déjà triché des élections une fois, deux fois, trois fois, depuis que la Guinée est Guinée. Ce n'est pas le premier qui triche, hein. Ce n'est pas le premier. Comptez aussi tricher. Parce que non, eux tous trichent. Donc, tout cela nous a fatigués. Si on a eu l'occasion de se racheter cette fois, c'est-à-dire on veut se réconcilier avec Dieu, je vais toujours revenir dessus. Quiconque va dans le sens de la vérité, tu es en train de te rediriger vers ton Créateur. Mais si toi, tu ne veux pas la vérité, tu tournes la tête, la vérité est là, tu tournes ta tête là, c'est que tu quittes Dieu, tu quittes Allah pour aller avec Iblis. Je pense que là, il ne peut pas faire grand-chose pour toi. On est là, même consciencieusement, mentalement, on connaît la vérité. Mais comme ce n'est pas notre ethnie, ça ne nous intéresse pas. Mais la souffrance, c'est pour tout le monde. Et la vérité, c'est pour tout le monde. Quand il y a une justice, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour une seule personne. Tu te dis, et si on l'avait fait à mon ethnie? Et si on l'avait fait à mon fils? Si on l'avait fait à mon mari? Par exemple, quand tu vois Yenné Kaba, je le dis souvent, comme elle est là. Elle a la place de Alimatou. Vous le savez. Et si c'était votre fille? Si c'était votre soeur? Si c'était vous-même qui devez être première dame? Et quelqu'un d'autre est là depuis 10 ans. Tranquille, pépère.
Après, elle refoule rien. Elle ne fait rien. C'est logique parce que ce n'est pas sa place. Ce n'est pas son destin. Il y a des modificateurs de destin. Ça, c'est Shaitan qui modifie le destin. Les marabouts, les cori, les six. C'est ceux qui modifient le destin. Ça, ce n'est pas le vrai destin. Ce n'est pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala te laisse faire quelque chose qu'il est d'accord avec ce que tu fais. Sinon, il y a des gens qui disent que Allah, il n'existe pas. Il leur fait quoi? Il descend les attraper. Il y a des gens qui disent que Allah, il est pauvre. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien. Donc, ce n'est pas parce qu'il laisse les gens dire cela qu'il n'est pas fort ou que je ne sais pas quoi. Ce n'est pas parce que Alpha, il n'est là-bas que c'est Dieu. Non. Laissez tomber. Dieu n'aime pas les menteurs. Et Alpha ment beaucoup. Dieu n'aime pas les fausses promesses. Il ne tient que les fausses promesses. Donc, dire que c'est Dieu qui a mis Alpha là-bas, Dieu a eu sa personne dans les yeux. Vous avez dit que non. Le petit groupe-là a falsifié ça. Et c'est toujours en général les cadres, soi-disant, de cette même basse-cote-là. Et les jeunes sont là, derrière eux, ils souffrent, ils pompent l'énergie de ces jeunes-là. Mais, quoi qu'il en soit, chacun peut se battre à son niveau, à sa façon. Là, on est parti peut-être pour 6 ans, peut-être pour 6 mois, peut-être pour 3 mois, peut-être pour une semaine. La vie d'un être humain, une seconde, ça change, une seconde. Le jour qu'un miracle va arriver dans votre vie, c'est le jour-là que vous allez savoir que Dieu existe. Moi, c'est maintenant que je sais que Dieu existe. Quand je me vois comme ça, là, tout mon corps est couvert. Je dis, ah, donc Dieu, c'est lui qui peut faire ça. Je ne mets pas de mèche, je ne mets pas de produit, pas de maquillage. Je dis oui. C'est lui seul qui peut faire ça à quelqu'un. Donc, s'il m'a fait ça, c'est que n'importe quelle chose peut arriver demain en Guinée, positif ou négatif. Il faut bien penser à cela. Il faut bien réfléchir. La dame-là, elle aurait pu être une de nos sœurs. Elle aurait pu être une de nos cousines. Elle aurait pu être moi-même ou peut-être ma fille. Qu'est-ce que j'aurais fait? Tu aurais prié toute la nuit. Tu aurais insulté sur les réseaux sociaux. 24 heures sur 24. Je vois des gens qui auraient fait cela. Donc, en gros, moi, c'est cela. Je vais laisser Agi. Bon, Agi, vous savez, ces jours-ci, il a beaucoup intervenu un peu partout. On ne va pas trop le fatiguer. On va le laisser faire sa petite conclusion et on va vous laisser. Ne pensez pas, quoi que ce soit, tout ce qui se passe aujourd'hui là, je vais revenir sur ça. Malik sans frontières, c'est à cause de ça. Souleymane Kondé, c'est à cause de ça. Fonike Menge, c'est à cause de ça. Ousmane Gawal, c'est à cause de ça. Donc, toutes les personnes qui sont en train de défendre les prisonniers, ça a commencé comment? Ils sont en prison pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé au début? C'est le début là. Si Alpha et sa bande de fripouilles voient que les gens soutiennent Dalain, c'est ça la politique. On ne soutient pas Dalain parce qu'on l'aime ou parce qu'on aime l'UFDJ. On soutient Dalain pour lui donner de la force pour qu'il puisse combattre Alpha. Puisque toute l'administration et tous les bandits là veulent l'étouffer sur sa raison. Mettez-vous à la place de ce monsieur. S'il était votre frère ou quelqu'un de votre ethnie, s'il allait être soussou, cela allait lui arriver, je n'en crois pas. S'il était malinqué, cela allait lui arriver, je ne crois pas. Peut-être que ça allait arriver à un forestier. Parce que au fouteri, forestier nous, foulé. Mais Rakena, moi je ne peux pas voir ça. Moi je suis Sissoko. Le nom Sissoko là va devenir un bagage pour moi demain. Tandis que je ne suis pas du RPG. On va dire que tous les Malinké sont du RPG. Tous ceux qui ont le nom Malinké sont du RPG. Nous, on va faire comme avec nos enfants. On va se salir pour Alpha. Non. Moi aussi, mes petites vidéos là qui sont là, là quelqu'un va dire, ah, j'avais vu une vidéo de la dame là. Elle n'était pas d'accord. Hein. Mais aujourd'hui, vous ne voyez pas ça. Mais on est là. Tout ça là va passer. C'est une question de temps. Les élections là qui se sont passées, là où on est arrivé là. Personne n'a imaginé qu'il allait y avoir ce déroulement-là. Personne ne l'a imaginé. Donc, autre chose aussi peut se passer. On ne sait pas quoi. Autre chose peut arriver. Mais moi, les résultats-là, tant que l'occasion se présente, j'en parlerai. Parce que tout ce qui se passe là, tu vas défendre Madik, tu vas défendre Ismaël Kondé, tu vas défendre Gawal. Quand je vois les gens parler, oh, il faut libérer les gens. Mais ils sont en prison pourquoi? Ce nom pour lequel ils sont en prison, tu n'oses même pas parler de ça. Et tu vas libérer les gens là. Vous savez, c'est pas facile. C'est pas évident. Quand on voit les gens qui ne sont pas cohérents dans leur combat, ton adversaire ne peut pas te respecter avec ça. Je suis désolée de dire cela, mais bon. Malheureusement, c'est comme ça. Là, ça bloque là.
Ah, si tu m'entends, je te laisse parler. Bon, pour faire la conclusion sur tout ce que vous venez de dire, ma sœur, je crois bien que c'est juste de la stratégie politique que Alpha a fait, l'arrestation des hauts cadres de l'UFDG. Ça, le but est simple, pour que l'UFDG puisse reconnaître sa victoire, sa fausse victoire, la victoire volée. Un voleur, c'est comme si maintenant là, vous attrapez une personne qui vous vole tout le temps, vous essayez de l'attraper, mais un jour, c'est pourquoi il y a un dicton qui dit plusieurs jours pour le voleur, un jour pour celui qui, voilà, pour celui qui vole. Donc maintenant, Alpha a été attrapé par le système que Morlaï a dit tout à l'heure, le système que l'UFDG a mis en place, des 32 000 tablettes, des systèmes bien sophistiqués que personne ne s'attendait à ça. Maintenant, pour sortir de tout ça là, parce que nous, en Guinée, les gens ont vu, Alpha a pris sa cour suprême, parce que la cour suprême qui est là-bas, c'est pour Alpha Condé. Il a pris sa cour suprême des gens qui ont juré, qui ont fait des parjures de protéger le peuple. Parce que seule la cour suprême est, c'est-à-dire le jugement le plus exécutif, c'est-à-dire le jugement le plus fort dans un État normal. Donc, l'arrestation de nos frères, de nos responsables, c'est juste parce qu'il veut juste à ce que l'UFDG reconnaisse sa victoire. Et que l'UFDG ne peut pas reconnaître sa victoire, on ne peut pas le reconnaître. Moumou Noma. Donc, c'est Dieu qui fait aujourd'hui, ils sont là-bas. Alhamdoulilah, beaucoup ont été libérés, dont moi. Mais ma soeur, tout ce que vous êtes en train de dire, ce n'est pas facile. Hein? Moi, j'ai été là-bas. Non, c'est Ce pas n'est facile. pas du tout facile. Le jour que moi, on m'a arrêté, la prison dans laquelle on m'a envoyé, Wallahi billahi ta'ala, ma soeur, vous ne pouvez pas envoyer un être humain là-bas. Vous ne pouvez pas envoyer un être humain là-bas. On m'a envoyé dans une prison de Kaporurai, là, vers la RTG. La nuit qu'on m'a arrêté, on m'a envoyé là-bas une prison très petite. On était plus de 50 personnes dans la prison là. On t'enlève tout. Dès qu'on dit sur toi là, c'est avec l'État. Personne ne te touche. Même si tu veux parler, on te dit, hey, tu ne peux même pas parler. Celui qui t'envoie le manger, on ne le laisse pas rentrer. Celui qui t'envoie l'eau, on ne le laisse pas rentrer. Donc, ce n'est pas un endroit qui est fait pour l'être humain. C'est très C'est difficile. Ceux qui, pourquoi ceux qui, ils ont fait ça? c'est, voilà, c'est très difficile ceux qui sont en train de. Arrêtez de Voilà, c'est très difficile ceux qui sont en train d'endurer aujourd'hui. Mais, le ramener. C'est nécessaire. Il faut qu'ils tiennent bon. Oui. oui, ils vont tenir bon. Ils vont tenir bon. Ils sont encore plus engagés et plus objectifs que nous. Donc, c'est juste la stratégie pour Alpha Condé, tout ce qu'il est en train de faire, pour qu'il puisse reconnaître sa victoire. Donc, comme moi, j'ai déjà, comme vous l'avez dit là, j'ai trop parlé dans les semaines passées et autres, et je venais de rentrer là. Je suis en préparation. Peut-être demain, après-demain, je vais venir fort là. Je vais récupérer. Et nous aussi, on va bien en organiser ça prochainement pour nos téléspectateurs qui nous suivent, pour qu'ils puissent bien profiter des bonnes choses. Et voilà, donc. Désolé, hein, et j'espère que vous avez été satisfait et que vous avez aimé. C'est très bien, c'est parfait. Très, très bien, D'accord, Inch'Allah. d'accord. Donc, on se dit à la Bon prochaine, Inch'Allah. courage à tout le monde là-bas. C'est juste une prise de contact Oui, bien sûr. Oui. avec nos téléspectateurs. C'est nécessaire, c'est très bien, c'est parfait. Dieu merci. Je te dis D'accord. merci à toi aussi. C'est pas évident, c'est pas facile. Très occupé, on t'a vu manger. Donc Voilà. voilà. Kanya Je aussi, viens ça de rentrer va. là. Ma clé. Je ne sais pas, à bientôt, Inch'Allah, on se tient au courant pour d'autres trucs. Il faut, c'est le seul moyen qu'on a aujourd'hui. Donc, il faut faire avec. Position Ok. militaire, Inch'Allah, Voilà. bientôt. Désolé. Merci. Merci beaucoup. Allah Dini, Amin. Allah Dini l'Islam Mali, Allah Muslimi Merci. Bin Mali, Allah Wuntan Fom Mali, Allah Yarafi Bin Mali.
anama kobiti la guinéra au mon Mina, prophète. Mina. À très bientôt, Inch'Allah. Merci pour les commentaires, pour les partages et tout. Et puis, je vous dis, je ne sais pas comme d'habitude. Quand je ne fais pas de direct, je voulais déjà dire, ne vous inquiétez pas, c'est une question de temps, ce n'est pas facile. J'ai déjà ma vie, ce n'est pas évident. Et voilà, c'est comme ça. Quand je peux, je le fais. Quand je ne fais pas, c'est que je ne peux pas. Voilà, il faut comprendre. Merci beaucoup et à bientôt.